il est vraiment proche de nous? Est-ce qu'il y a un autre peuple, même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches? Surtout, n'oubliez jamais ce que vous avez vu de vos yeux. Ne laissez pas cela sortir de votre mémoire un seul jour de votre vie, mais racontez-le à vos enfants et aux enfants de leurs enfants. Louons ce Dieu merveilleux. Bonjour à toutes et à tous, donc nous vous souhaitons la bienvenue et un bon sabbat. Nous sommes très heureuses d'être avec vous ce matin pour louer notre Seigneur. Et nous vous invitons à réfléchir un petit peu sur un terme qu'on utilise souvent dans nos louanges, le mot « exalté », qui signifie « glorifier, élever très haut par nos louanges ». Donc je vous invite à exalter notre Dieu par ce chant.
On vous invite à vous asseoir. Une question que je me pose souvent et que peut-être vous êtes posée aussi, savoir à quoi est-ce qu'on est appelé aujourd'hui dans l'Église, chacun d'entre nous. C'est une question que je me pose encore maintenant, assez souvent d'ailleurs. Il y en a qui sont peut-être appelés pour faire de la musique, comme nos amis derrière moi. Il y en a qui sont appelés pour chanter, peut-être comme Juliana et moi ce matin. Il y en a qui sont appelés au service de l'Église, à l'aide à la personne, à l'entretien des espaces verts, à tout ce qui est louange et gloire à Dieu, sous toutes ses formes. Alors ce matin, on va vous inviter à dire fort ce à quoi vous êtes appelés, c'est-à-dire à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a créé. Et dites-le fort.
la chance de pouvoir vivre un temps de prière et de louange. Je vous invite à vous mettre à genoux ou dans la position que vous jugerez le plus appropriée. C'est avec reconnaissance, notre Dieu, que nous sommes là devant toi, car tu nous as appelés, que ce soit en venant ici, qu'en nous rejoignant par Internet, à te prier, à te louer, à mettre notre espérance en toi, sachant que tu es fidèle et que nous pouvons te faire confiance. Merci parce que tu mets la joie dans nos cœurs. Et en même temps, nous pensons à ceux qui sont peut-être dans le doute, dans la souffrance, dans la tristesse. Donne-leur ta consolation. Montre-nous comment nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Nous pensons à ceux qui ont connu le deuil au cours des semaines écoulées. Nous pensons à ceux qui sont déboussolés par toutes ces atrocités, tous ces drames que nous voyons par les nouvelles, les actualités. Donne-nous de savoir avoir un cœur sensible, où que cela puisse se passer dans le monde, et en même temps, de savoir donner de l'espérance, de savoir partager la solution que tu as à toutes ces tragédies. Seigneur, nous voulons offrir nos cœurs à ton Saint-Esprit pendant la suite de ce service, afin de recevoir le vrai sens de notre présence en tant que communauté et en tant que croyant. Au nom de Jésus. Amen. J'invite tous les enfants à monter. Merci Max d'avoir préparé une histoire pour eux. Alors c'est votre moment, les enfants. Bonjour les enfants. Alors cette semaine, je crois que ça a été une semaine un petit peu particulière. C'était la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'était quoi ? La fin des vacances ? De l'école. Et le début de l'école, et on appelle ça comment le début de l'école ? La rentrée, voilà, c'est ça. Alors je vais vous raconter justement une histoire. Et cette histoire, le personnage principal, peut-être que certains s'en souviennent, c'est Lucie, une petite brebis. Je vous avais déjà raconté une histoire qui parlait de Lucie, et voilà que chez les brebis, c'est aussi la rentrée. Et oui, on ne le sait pas, mais les moutons aussi ont leur école, et les brebis aussi ont la rentrée. Il se trouve que Lucie est donc à quelques jours de la rentrée, et voilà que le berger,
du troupeau, qui aime bien aller voir ses brebis, va voir Lucie et vient lui parler. Et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, écoute Lucie, j'ai une mission pour toi. Il faut que tu ailles voir les brebis d'un autre troupeau, dans l'autre vallée, et que tu leur dises de changer de comportement, parce qu'ils font beaucoup de mal. Et Lucie, quand elle écoute le berger, elle se dit, oui, je les connais ces brebis de cette autre vallée. Elles sont méchantes entre elles. Elles se poussent pour manger l'herbe la plus verte. Quand il y en a une qui boit, les autres piétinent dans les flaques sont sales. Ce n'est pas des brebis sympathiques, mais elles lui font peur aussi. Alors, Lucie sait qu'elle doit partir, que le berger vient de lui donner cette mission. Vas-y, va là-bas, va dans cette vallée, va leur dire qu'il faut qu'ils changent. Et finalement, elle décide de s'enfuir, de partir à l'opposé. Elle devait partir dans la vallée qui était dans cette direction, elle part de l'autre côté. Elle s'en va très très loin, aussi loin et aussi vite qu'elle peut. Malheureusement pour elle, un orage violent arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà été en montagne quand il y a un orage, mais c'est impressionnant. Les éclairs dans le ciel, le tonnerre qui gronde et la pluie qui se met à tomber tellement fort qu'on n'y voyait même pas à un mètre. Lucie, à ce moment-là, était sur des pentes un petit peu abruptes. Et puis, elle n'a pas fait attention, il y avait une crevasse et elle est tombée dans la crevasse. Elle est tombée, elle fait une chute. Et la voilà, au fond d'un trou, tout noir. Elle entend au loin un peu là-haut l'orage, mais elle est tellement profonde qu'elle n'entend presque plus rien. Elle est là dans le noir. Elle se demande, mais qu'est-ce que je vais faire ? Elle a peur. Et puis, elle se souvient de son berger. Alors elle l'appelle avec sa petite voix de brebis. Je vais vous traduire, parce que si je le faisais en brebis, ça ferait « ben, ben, ben ». Mais on ne comprendrait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Elle appelle le berger, elle lui dit « S'il te plaît, viens me sortir de là. Je sais que tu peux m'entendre, je sais que tu m'aimes. Et je te promets, si tu me sors de là, je vais faire ce que tu m'as demandé. » et elle belle, la petite brebis. Elle n'arrête pas de bêler. Finalement, voilà que elle voit, tiens, quelque chose descendre, mais c'est une corde qui descend dans la crevasse. Un monsieur, c'est le berger, c'est lui, il la prend, il la sort du trou. Il la remet dehors, il regarde si elle va bien. Oui, ça va. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, vas-y maintenant, va dans l'autre vallée. Va leur dire qu'il faut qu'ils changent. Va leur dire. Sinon, ils vont avoir de graves problèmes. Alors, la petite brebis est repartie. Est-ce qu'elle arrivera dans la vallée ? Est-ce qu'elle va dire le message ? Est-ce que ça va marcher ? On n'en sait rien encore. Ben, tout ça, je vous le dirai la prochaine fois que je reviendrai pour vous raconter une histoire, dans quelques temps. Et on ira voir l'histoire de Lucie et comment ça s'est passé. Merci. Je vais vous présenter deux personnes. D'abord Tatiana, dont les mains tremblent depuis de nombreuses minutes, et qui va nous lire
le texte biblique, et également le prédicateur de ce matin. Il s'agit de Marcel Ladislas, qui est professeur de l'Ancien Testament à la faculté adventiste de théologie. Jonas 1, verset 1 à 3. Un jour, ça fonctionne. Jonas 1, verset 1 à 3. Un jour, le Seigneur adresse cette ode à Jonas, le fils d'Amittai. Debout, va Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant, le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa. Là, il trouve un bateau qui part pour Tarsis. Il paie son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Amen. Ce soir, ce sera le premier Elul 5776. C'est la date juive pour ce soir qui commence. Le mois d'Elul commence donc ce soir et un mois après, à Tishri, le 4 octobre, ce sera Rosh Hashanah, une nouvelle année pour nos amis juifs. Rosh Hashanah, c'est aussi pour nous une manière de rentrer, c'est une nouvelle année en quelque part. Nos enfants sont entrés à l'école, pour ceux du primaire, de la maternelle, du primaire et du secondaire. C'est aussi une rentrée pour nos étudiants de la FAT, et pour l'Église aussi, on reprend ses fonctions. C'est l'occasion de mettre ses talents au service de l'Église. J'aurais plutôt dû dire au service du monde. Car finalement, l'Église doit être tournée vers le monde. Et malheureusement, nous sommes trop souvent centrés sur nous. Et c'est vrai, nous avons des priorités, nos enfants, il faut s'en occuper, parce que c'est l'avenir de l'Église. Nous avons beaucoup d'actions intra-Église, mais Dieu nous appelle aussi à nous tourner vers les autres pour leur faire part de ce message d'amour, cette bonne nouvelle qu'il a pour nous. Lettre de démission refusée. Oh, l'actualité me sert aujourd'hui parce que cette semaine, il y a une démission qui a été fort médiatisée. Emmanuel Macron a présenté sa démission du ministère de l'économie. Il a été remplacé le 31 août par Michel Sapin. Il a déclaré « Nous n'avons pas tout réussi, nous n'avons pas tout terminé, il reste beaucoup à faire. Les circonstances que nous vivons imposent de prendre des risques et si j'ose la métaphore, de prendre la mer. » Et moi qui vais vous parler de Jonas, démissionnaire, et qui prend la mer. Voilà ce que je voudrais. Il dit, je vais prendre la mer pour une embarcation plus frêle. Il y a des démissions qui sont légitimes. Et je pense aux étudiants, certains en théologie, qui ont dû quitter un travail, peut-être pour certains, pour pouvoir venir ici, se former
et être des pasteurs, des ouvriers de Dieu. Je pense peut-être aussi à leurs épouses qui, des fois, ont dû démissionner d'un travail au lieu où ils étaient pour venir accompagner leurs épouses. Leur époux, pardon. C'est vrai qu'il y a... Je pourrais continuer à parler de démission. Mais parlons plutôt de nous et de la mission qui nous est confiée. Nous avons une responsabilité et nous ne devons pas nous démettre de ces responsabilités. Jonas. Jonas, le texte dans Jonas, chapitre 1er, le verset 1, le présente. Jonas, fils d'Amittai. La parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et écris sur elle ou contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas, fils d'Amittai. Alors, son nom, le nom de son père, plutôt, s'appelle, il s'appelle donc fils d'Amittai, le nom de son père, c'est Amittai. Mais on pourrait lire Jonas, fils de la vérité. Aujourd'hui, nous avons vu le mot émet à l'école du sabbat. C'est le mot amen plutôt que nous avons vu, mais c'est la même racine. Émet vient du vieux sémitique amint, et c'est la racine amen, c'est la même racine qui est là. Nous, adventistes, souvent nous disons que nous avons la vérité. Et nous nous targuons fort de cette vérité. Et nous aimons l'asséner, cette vérité. Je reviendrai sur cela dans un moment. Et le message que Dieu lui adresse, c'est d'aller vers Ninive. Ninoa, la ville poisson. C'est le sens de l'hologramme et du nom de la ville en sumérien. Va et crie à son propos ou sur elle, on traduit « contre elle », et la version qui a été lue, dit, tu menaceras la ville, car elle commet des actions mauvaises. Mais je ne suis pas sûr que l'hébreu peut se prêter à ce sens-là. C'est un des sens possibles, mais ce n'est pas le seul sens. D'autant plus que quand on lit la suite de l'histoire, et quand on se rend compte de la raison pour laquelle il est parti loin de sa mission, on se dit quelles étaient ses arrière-pensées, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et l'hébreu peut se lire, quand on dit sa méchanceté, ra'ata, ça peut se lire autrement, pas seulement comme méchanceté, mal, le mal que l'on commet, ça c'est le sens du mot, on en fait un lexème actif, mais ça peut être aussi un lexème passif, le mal que l'on subit. Et le mot peut être traduit simplement car le malheur, son malheur est monté jusqu'à moi. Je pense que si on avait dit à Jonas, écoute, va simplement et puis annonce-leur leur méchanceté et menace-leur, ce serait un message qui lui conviendrait. Mais il connaît bien son Dieu. Il sait que son Dieu est un inconditionnel de l'espérance. Et que si Dieu envoie un message de prophétiser, c'est parce qu'il espère par ce message bouleverser les cœurs, les transformer, les changer. Et que Ninive en sera tout chamboulée. Et que Ninive risque d'échapper à une destruction qu'elle mériterait. Car lui connaît bien sa doctrine. Quand on fait le mal, il faut bien payer, n'est-ce pas? Mais c'est oublier que là où se commet la méchanceté, il y a aussi des victimes.
Et souvent même ceux qui commettent le pire sont aussi déjà des victimes. Victimes souvent quand on est violent, c'est peut-être parce qu'on a été aussi soi-même victime d'une certaine violence et qu'on n'a pas meilleur exemple que de reproduire ces schémas destructeurs dans lesquels on a grandi et dans lesquels on se trouve piégé. Va vers Ninive pour être un ambassadeur de la grâce. Apporte-leur un message. Et ce message que nous avons apporté est souvent un message de pardon, de réconciliation. Et le texte nous dit, Jonas se lève pour s'enfuir à Tarsis. J'ai une traduction, celle de Branco. C'est une paraphrase du texte. Jonas ne voulut pas endosser la responsabilité que l'Éternel lui avait confiée. Aussi, il descendit à Joppé, qui est la direction opposée, pour trouver un bateau cargo allant en Espagne. Il paya son voyage et s'embarqua pour fuir loin de l'Éternel. Il refusa d'endosser la responsabilité que Dieu lui avait confiée. Et l'histoire de Jonas se déroule en deux épisodes. La première dans le bateau. Dans le bateau, il va dormir du sommeil de juste. Je dis bien du sommeil de juste parce que quand il se compare certainement aux Ninivites, oh, il a bonne conscience. Ce n'est pas lui qui commet les exactions qui se font à Ninive. Et souvent, quand on se compare aux autres, on aime souvent jeter une mauvaise lumière sur l'autre pour pouvoir mieux se mettre en lumière. On juge l'autre. Et Jonas est le juge de Ninive. Il les a déjà condamnés. Son Dieu, lui, est tout différent parce qu'il ne désespère de personne. Et il le sait, lui, Jonas. Dans la fin de l'histoire, dans Jonas chapitre 4, le verset 2, vers la fin du verset 2, il répète à Dieu ce qu'on appelle la charte de la grâce, un texte qui se trouve dans Exode, le chapitre 34, le verset 6. Je pourrais vous lire les deux versions pour que vous voyez la petite différence. « Car je sais que tu es un Dieu qui fait grâce » et qui est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance, en amour, et qui regrette le mal. Dans Exode 34, le verset 6, il y a cette phrase, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance, en bonté. » Et il y a une phrase, un petit mot qui est rajouté. « Et en fidélité. » Puis c'est le mot « émet » qui est là et qui est vérité. Dieu est riche en bonté et en vérité. Mais lui estime que Dieu est bon, c'est vrai. Mais il voudrait que ce Dieu soit le Dieu de la vérité, qu'il soit juste et qu'il agisse selon ce que lui considère comme la vérité. Nous avons, nous, mission de parler de la vérité présente. Alors il faut rappeler aux Assyriens et aux Babyloniens leur fête. Il faut prêcher sur Babylone et prêcher le contre. Et
cela nous donne bonne conscience pour ne rien faire pour les autres, puisqu'ils sont les mauvais. Alors que nous avons pour mission justement de les atteindre, notre mission n'est pas de juger l'autre, notre mission est au contraire de sauver. Dieu nous appelle et il nous appelle à nous ouvrir à l'autre et pas à attendre que le feu du ciel leur tombe sur la tête. Comme Jonas, nous disons, à quoi bon de bouger pour sauver les autres Assyriens, pour sauver le monde, puisque nous savons que ce monde est condamné avec nos lectures prophétiques. Nous oublions que Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Comme Jonas, nous avons nos lectures prophétiques, nos scénarios de la fin. Nous avons la vérité qu'il faut imposer à Dieu, quelquefois. Et malheureusement, au lieu d'être des sauveurs, nous coulons le bateau comme Jonas. Car nous oublions une chose, nous sommes solidaires les uns des autres. Jonas, dans le bateau, ne fait rien. Mais son inaction est la cause d'un bateau qui risque de périr. Alors c'est une parabole pour nous. Quand nous annonçons la bonne nouvelle, nous sauvons des vies et nous contribuons à rendre les familles heureuses, à peut-être à rendre des quartiers plus sûrs, parce que les hommes changent, les hommes se transforment. Nous pouvons être des grands frères pour des plus jeunes qui sont désorientés. Nous pouvons entrer dans le tissu social, nous mélanger aux autres et essayer de transformer cette société. Alors j'étais très heureux de lire dans le questionnaire que nous sommes invités à nous ouvrir aux autres et à faire advenir un meilleur ordre social. Alors souvent ce n'est pas ce qu'on aime entendre, mais c'est vrai, si nous avons un message prophétique, si nous savons effectivement qu'un jour Dieu viendra et établira un nouvel ordre des choses, et nous attendons cela, et nous y croyons, nous y souscrivons. Néanmoins, il nous faut nous investir dans l'aujourd'hui et faire avancer dans l'aujourd'hui le règne de Dieu. Ce règne de Dieu est présent. Par notre présence dans ce monde, nous pouvons faire avancer ce règne en nous mêlant aux autres et en allant au plus près des cœurs, en espérant que le nôtre et le leur sera transformé. Rappelez-vous, à cause de Jonas, tout l'équipage risquait sa vie. Vous avez jamais entendu l'histoire du petit garçon qui se trouvait sur un grand bateau et il s'ennuyait. Il y avait plein d'autres passagers. Et une idée qu'il trouve amusante, il prend un petit couteau de sa poche et il commence à faire un trou dans le bateau. Et un marin, s'apercevant de ce que cet insensé était en train de faire, lui cria avec colère : « Es-tu fou ? Que fais-tu là ? Ça ne te regarde pas, répliqua le garçon. J'ai fait un trou au-dessous de ma place pour laquelle j'ai payé. Et tu n'as rien à me dire. » Et le marin prend le couteau de sa main et lui dit : « Ce sont des gens comme toi qui sont la cause de la misère et des troubles dans le monde et qui ne pensent qu'à eux-mêmes et à leur joie. N'es-tu pas assez intelligent pour comprendre qu'en faisant un trou dans le bateau, même s'il se trouve en dessous de ta place, tu attenteras à la vie de tous ? L'eau va envahir le bateau qui va chavirer et tout le monde se noiera. » Peut-être que nous sommes là en train de faire notre trou, comme on aime souvent dire dans ce monde. « Oh, je suis là, je ne fais que mon trou. Je ne m'occupe que de mes propres affaires. » Et peut-être que simplement en faisant son trou, en restant là, nous contribuons à ce que le bateau coule et que ce monde sombre plus vite encore. «
Vous connaissez l'histoire de cette première partie. Les marins vont être sauvés parce que Jonas passera par-dessus bord. Et Jonas lui-même sera sauvé. Il sera sauvé par un poisson que Dieu va dépêcher pour le sauver. Là, dans le ventre du poisson, il a ce merveilleux psaume qu'on trouve dans le livre dans son livre, le chapitre 2. Et là, cela se termine par cette phrase importante, « Le salut appartient à l'Éternel ». Là, il comprend que le salut est une chose qui vient de Dieu. Dieu le sauve, lui, personnellement. Ça, oui, on aime bien quand Dieu nous sauve, quand Dieu intervient pour nous. Et quand il est recraché par le poisson sur la terre ferme, Dieu lui dit, bon, voilà, tu es sauvé maintenant. Ta lettre de démission, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je ne peux pas la valiser, la prendre. Maintenant que tu es sauvé, je la déchire, ta lettre de démission. Je refuse ta démission. Maintenant que tu es sauvé, eh bien, il y a la mission à accomplir. Va vers les autres. Ouvre-toi à l'autre. Va vers ces Assyriens. Va vers ces Babyloniens que tu es peut-être au fond de toi-même. Mais nous ne sommes pas appelés à haïr les autres. Nous sommes appelés à les aimer, à nous ouvrir à l'autre. Et peut-être que, comme Lévinas, il nous faut comprendre que la conscience, c'est l'urgence d'une destination vers l'autre. Aller vers l'autre. Oh, la deuxième partie, quand il est dit « Lève-toi, va à Ninive et crie, ce ne sera plus au-dessus sur elle qu'on pourrait comprendre par contre elle, mais vers elle. » Vers elle, il faut aller rencontrer Ninive. Et c'est dans cette rencontre-là que finalement Ninive sera sauvée. Ta lettre de démission, je n'en veux pas. Quand on est sauvé, on devient sauveur des autres. Et il devient un signe pour les Ninivites, le signe de Jonas. L'homme poisson quelque part. Souvent on dit que en hébreu de Jonah à Ninoué, il n'y a la différence, c'est qu'un nun. C'est-à-dire que entre le mot Jonah, le nom de Jonas, et celui de Ninive, il y a quasiment les mêmes lettres. Il y a seulement que le n est redoublé. Il y a un n de trop dans Ninive. Parce que pour que Jonas arrive à Ninive, eh bien, il faut qu'il passe par une expérience, celui du poisson. Et le poisson, c'est Noun dans le proto-sémitique et dans le sumérien. Et Noun signifie le poisson. Il devient donc un signe. Vous savez, les premiers chrétiens avaient comme signe un poisson, n'est-ce pas? C'est devenu un signe du christianisme. C'est devenu un signe de ralliement des premiers chrétiens. Quand ils étaient dans un lieu pour se reconnaître, ils dessinaient cela. Alors bien sûr, ictus, poisson en grec, c'était l'acrostiche de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Cette parole que Ninive va porter, c'est la parole d'un ressuscité. Il vient d'outre-tombe. Il vient du fond de la mer, de la mort. Et le ressuscité maintenant parle et il dit la parole de Dieu. Et le signe de Jonas, c'est un peu cela. C'est parler et annoncer le ressuscité. Celui qui est mort et ressuscité pour que nous, à notre tour, nous puissions faire nôtre cette expérience. Mort au péché, nous pouvons vivre et être un signe, un miracle
Un miracle parce que transformé par Dieu. Parce que, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut te parler. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, pardon. Dieu veut parler. Ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler par ta bouche. Pour que tous ceux qui sont dans ce monde puissent entendre la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est celle qui transforme. C'est cette parole qui a transformé Ninive. Et ce monde a encore besoin d'une parole qui la transforme. Une parole qui la bouleverse. Et Dieu n'a que nous pour dire cette parole qui transforme. Dieu n'a que nous pour ces signes de Jonas. Un peu partout dans ce monde, les hommes peuvent regarder ces différents signes, ces différentes transformations qui sont opérées. Vous savez, la vie chrétienne commence par une histoire de Jonas, le baptême. Je meurs et je ressuscite. Le jour de Yom Kippour, dans la tradition juive, on lit le rouleau de Jonas. Chaque Yom Kippour, l'après-midi, c'est la lecture. On réfléchit là-dessus au commencement de l'année. Et je voudrais que nous puissions réfléchir un peu à cela. Nous devons comprendre que Dieu refuse notre démission, car il veut des signes pour les hommes autour de nous. Il veut des hommes et des femmes providentiels, des hommes et des femmes qui sont des miraculés. Nous devrions encourager par tous les moyens mis à notre disposition tous les efforts que Dieu peut mettre en nous, dans notre cœur, pour venir, pour aller vers l'autre et pour pouvoir l'atteindre. La deuxième partie de l'histoire, c'est Jonas finalement, c'est cette partie-là que nous racontons. Jonas parle, les Ninivites sont transformés, mais Jonas veut toujours la condamnation de la ville. Il attend, lui. Il attend. Et je vais vers la fin avec cette phrase de Dieu. Dieu, ce qui l'intéresse, ce sont les hommes et les femmes. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est une phrase de Pierre, vous la connaissez. Et je dirai simplement ceci. Pour rappeler l'expérience du ricin, avec le ver qui ronge le ricin, et puis Jonas qui pleure à cause du ricin qui est là et qui est fané. Et Dieu lui dit, fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? Il dit, oui, j'ai bien raison de me fâcher. Vous savez, nous sommes très écologistes quelquefois. Nous avons la veine écologiste. Nous pensons, nous faisons tout pour la défense de la terre et nous n'avons rien raison de le faire pour défendre cette terre. Et il faut s'engager justement dans l'écologie. Il faut s'engager. C'est ce que nous avons vu ce matin dans le capital social, s'engager avec les autres dans des actions bonnes et justes. Mais Dieu nous rappelle notre mission première et il dit ceci, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche. » Et des bêtes en grand nombre, oui, même les animaux, oui. Oui, Dieu nous appelle à prendre nos responsabilités, à déchirer nos lettres de démission et à aller vers l'autre. Une histoire de bateau. On demanda à quelqu'un de se rendre à la plage pour repeindre un bateau. Il apporta de la peinture et un pinceau et commença à repeindre le bateau en rouge clair, comme on lui avait demandé. En travaillant, il s'aperçut que la peinture s'infiltrait à travers le sol, le plancher du bateau, et tombait sur le sol. Et il comprit qu'il y avait une fuite dans le bateau. Alors,
il a réparé la fuite. Lorsqu'il eut fini son travail, l'ouvrier se fait payer et il s'en va. Le lendemain, le propriétaire du bateau lui rend visite et il lui donne un chèque avec une somme très importante. Et lui, il s'étonne, dit « Mais vous m'avez déjà payé. Pourquoi ce nouveau chèque ?» Mais ce chèque ne t'a pas été donné parce que tu as peint le bateau, mais parce que tu as réparé la fuite. Oh, c'était une si petite chose que je n'avais même pas voulu en tenir compte. Tu ne me répètes pas donc cette grosse somme pour ce petit travail ? Mon cher ami, tu ne comprends pas. Permets-moi de te raconter ce qui est arrivé. Quand je t'avais demandé de peindre le bateau, j'avais oublié de te parler de cette fuite en question. Lorsque le bateau fut sec, mes enfants s'en servirent pour aller à la pêche. Je n'étais pas à la maison lorsqu'ils prirent le bateau. En revenant chez moi, j'eus une peur folle en me rappelant que le bateau fuyait. Tu ne peux pas t'imaginer comment je fus soulagé et heureux quand je vis le bateau revenir avec mes enfants. J'examinai le bateau et j'ai vu que tu avais réparé cette fuite. Comprends-tu ce que tu as fait ? Tu as sauvé la vie de mes enfants. Je n'ai pas assez d'argent pour te récompenser pour cette petite chose. Je m'arrête ici et je voudrais dire une chose. Un jour, Dieu nous dira, viens, bon et fidèle serviteur. Et vous remarquez, bon, la bonté. Fidèle, oui, c'est la traduction du mot que j'ai traduit par vérité. Vérité. Parce que ce mot ne signifie pas seulement vérité, mais il signifie loyauté. La vérité n'est pas simplement une affaire de doctrine, mais c'est une affaire de relation, de confiance, comme dit la leçon de l'école du sabbat. Quel est notre lien avec Dieu ? Viens, venez, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, car tu as été fidèle dans une petite chose. Et je vous laisse méditer sur la petite chose. Que Dieu nous garde. Merci. Thank you.
La réparation du bateau qui a sauvé la vie d'une famille fut une petite chose. Et bien de même, nos offrandes, nos dîmes, peuvent sembler des petites choses. Dieu sait les faire fructifier et les utiliser. Alors nous invitons les diacres à passer pour accueillir nos offrandes. Père, nous voudrions te dire merci du fond du cœur pour l'amour que tu nous as témoigné. Nous sommes tous des naufragés de la vie et tu nous ressuscites et tu fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes appelés à sauver d'autres. La distance qui nous peut nous séparer de l'autre, c'est peut-être une distance. Elle n'est peut-être pas aussi grande que la distance qu'il y avait entre Israël et Ninive en termes physiques, mais nous pouvons faire beaucoup pour mettre de la distance entre nous et les autres, malheureusement. Aide-nous à représenter ton visage aimant, que nous apprenions à regarder l'autre avec amour et que nous puissions comprendre que en dehors, tu as beaucoup d'agneaux qui ne sont pas de cette bergerie, mais que tu désires sauver. Aide-nous à être ouverts vers les autres et que nous puissions avoir un message d'amour adéquat. Nous te remercions pour les offrandes que nous avons pu apporter, que ces offrandes puissent servir à nous permettre de nous tourner vers les autres et de faire que ton Église soit plus évangélique dans sa manière de parler de toi, qu'elle soit plus ouverte et que chacun d'entre nous, nous soyons des ambassadeurs. C'est le message que tu nous as confié. Tu nous invites à être des ambassadeurs et de dire à tous les hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec vous-même. Soyez réconciliés les uns avec les autres. Merci Seigneur pour
ce message d'amour que tu mets dans ta parole. Tu nous invites aussi à dire la vérité aux autres, la vérité sur ce monde, sur l'avenir de ce monde, mais permets que pour le présent, nous puissions être pleins de tact, de tendresse et d'amour. Nous te remercions au nom béni de Jésus. Amen. Nous vous invitons donc à chanter ce dernier chant qui nous rappelle que ce n'est qu'en comptant sur Dieu que nous pourrons accomplir cette mission qu'il nous a donnée. Ce n'est uniquement qu'en comptant sur lui que nous pourrons faire des exploits. De bénédiction, voici l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens. Frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et vous ferez ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Allons-en.